Deuxième thème. L'ancienne domination. Étude présentée dans The Present Truth le 14 mai 1896. Ce thème comporte un seul chapitre, qui est le chapitre numéro 2. Sous-titre. La possession acquise. Racheter signifie acheter à nouveau. Qu'est-ce qui doit être acheté à nouveau? Évidemment, ce qui a été perdu, vu que c'est ce que le Seigneur est venu sauver. Et qu'est-ce qui se perdit? L'homme. Ouvrez les guillemets. Car ainsi parle l'Éternel. Deux points. C'est gratuitement que vous avez été vendu, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Fermez les guillemets. Ésaïe 52, verset 3. Et quoi de plus? En conséquence, tout ce que l'homme possédait. En quoi cela consistait-il? Ouvrez les guillemets. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fermez les guillemets. Genèse 1, versets 26 à 28. Le psalmiste dit de l'homme, ouvrez les guillemets. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Fermez les guillemets. Psaume 8, versets 6 à 9. Telle était la première possession de l'homme, mais elle ne dura pas. Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons ces paroles du psalmiste. Ouvrez les guillemets. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes ces choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Fermez les guillemets. Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 9. Ces mots nous présentent une scène merveilleuse. Dieu a remis la terre et tout ce qui lui appartient au gouvernement de l'homme. Mais ce n'est pas ce que nous voyons maintenant. Ouvrez les guillemets. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant
que toute chose lui soit soumise. Fermez les guillemets. Pourquoi? Parce que l'homme a tout perdu en péchant. Mais nous voyons Jésus qui a été, ouvrez les guillemets, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, fermez les guillemets, c'est-à-dire qu'il a été fait homme pour que l'héritage perdu puisse être rendu à quiconque croit. Aussi, l'héritage perdu sera rendu au racheté aussi sûrement que Jésus mourut et ressuscita, et aussi certainement que ceux qui croient en lui seront sauvés par sa mort et sa résurrection. Les premières paroles du texte cité du livre des Hébreux indiquent que, ouvrez les guillemets, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, fermez les guillemets, au sujet duquel nous parlons. L'a-t-il soumis à l'homme? Oui, puisqu'il l'a soumis à l'homme quand il créa la terre. Et Christ prit la condition déchue de l'homme afin de racheter les deux, l'homme et sa possession perdue, puisqu'il est venu sauver ce qui était perdu. Et puisque par lui nous avons obtenu un héritage, il est évident qu'en Christ le monde à venir, c'est-à-dire la nouvelle terre, telle qu'elle fut avant la chute, nous sera soumise. Les paroles du prophète Ésaïe le démontrent également. Ouvrez les guillemets. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie. Les fabricants d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtint le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vraiment, moi l'Éternel. Je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Fermez les guillemets. Ésaïe 45, versets 16 à 19. Le Seigneur forma la terre pour qu'elle fût habitée. Et puisqu'il fait toutes les choses selon le conseil de sa volonté, nous pouvons être sûrs qu'il accomplira son plan. Mais quand il fit la mer et toutes les choses qu'elle renferme, ainsi que l'homme, ouvrez les guillemets, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Fermez les guillemets. Genèse 1, verset 31. Vu que le plan de Dieu va s'accomplir, il est évident que la terre doit encore être habitée par des êtres humains qui seront très bons, et ceci impliquera une condition parfaite quand cela arrivera. Quand Dieu créa l'homme, il le couronna, ouvrez les guillemets, de gloire et d'honneur. Fermez les guillemets, en lui donnant la domination sur, ouvrez les guillemets, les œuvres de ses mains, fermez les guillemets. Il était donc roi, et comme sa couronne l'indique, son royaume était un royaume de gloire. Mais à cause du péché, il a perdu le royaume de gloire, ouvrez les guillemets, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, fermez les guillemets. Romains 3, verset 23. Jésus vint alors occuper sa place, et par la mort qu'il expérimenta pour tous, il fut, ouvrez les guillemets, couronné de gloire et d'honneur. Fermez les guillemets. Il s'agit, ouvrez les guillemets, de Jésus-Christ
homme, fermez les guillemets, 1 Timothée 2:5, qui récupéra ainsi la domination perdue par le premier homme Adam. Il le fit ainsi dans le but de, ouvrez les guillemets, conduire à la gloire beaucoup de fils, fermez les guillemets, est-il écrit en Hébreux 2, verset 10. En lui, nous avons obtenu un héritage. Et puisque c'est, ouvrez les guillemets, Jésus-Christ homme, fermez les guillemets, qui est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, selon Hébreux 9, 24, il est évident que le monde à venir, qui est la nouvelle terre, la première domination, et la part de l'homme. Les textes suivants le rendent plus clair. Ouvrez les guillemets. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fermez les guillemets. Hébreux 9, verset 28. Quand il fut offert, il porta la malédiction afin de pouvoir l'ôter. Ouvrez les guillemets. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Galates 3, 16. Mais quand la malédiction de la loi vint sur l'homme, elle vint aussi sur la terre, puisque le Seigneur dit à Adam, ouvrez les guillemets, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, fermez les guillemets. Genèse 3, versets 17 et 18. Quand Christ fut trahi et livré aux mains des hommes pécheurs, ouvrez les guillemets, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau, et frappé sur sa tête. Fermez les guillemets. Matthieu 27, verset 29. Ainsi donc, quand Christ porta la malédiction de l'homme, il porta aussi celle de la terre. Donc, quand il viendra sauver ceux qui accepteront son sacrifice, il viendra aussi rénover la terre. Sous-titre. Le moment de la restauration. L'apôtre Pierre dit, ouvrez les guillemets, point de suspension, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Fermez les guillemets. Acte 3, versets 20 et 21. Et nous avons les paroles mêmes de Christ lui-même. Ouvrez les guillemets. Lorsque le Fils de l'homme viendra, dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez,
vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Fermez les guillemets. Matthieu 25, versets 31 à 34. Ce sera la consommation de l'œuvre de l'Évangile. Revenons maintenant aux paroles de l'apôtre dans le premier chapitre d'Éphésiens. Là, nous lisons qu'en Christ nous sommes prédestinés à être adoptés comme enfants. Et comme nous l'avons vu ailleurs, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, en Christ, nous avons obtenu un héritage puisqu'il remporta la victoire et s'est assis à la droite du Père. Ouvrez les guillemets. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Fermez les guillemets. Et que toute chose lui soit assujettie. C'est aussi sûr que sa victoire. Comme gage de cet héritage que nous avons en lui, il nous a donné le Saint-Esprit. Il est de la même nature que l'héritage. Nous faisons ainsi connaître quelles sont les richesses de la gloire de l'héritage. En d'autres termes, la communion avec l'Esprit nous fait connaître la communion du mystère. L'Esprit est le représentant de Christ. Donc l'Esprit demeurant dans l'homme, c'est Christ dans l'homme, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Et Christ en l'homme, c'est la puissance créatrice en l'homme, faisant de lui une nouvelle créature. L'Esprit est donné, ouvrez les guillemets, selon sa richesse avec gloire, fermez les guillemets. Et c'est la mesure de la puissance par laquelle nous devons être fortifiés. Ainsi, les richesses de la gloire de l'héritage, données à connaître par le Saint-Esprit, ne sont rien d'autre que la puissance par laquelle Dieu créera à nouveau toutes les choses par Jésus-Christ, comme au commencement, et par laquelle il créera à nouveau l'homme afin qu'il soit conforme à cet héritage glorieux. C'est ainsi que l'Esprit leur étant donné dans sa plénitude, ceux qui le reçoivent, ouvrez les guillemets, ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir. Fermez les guillemets. Hébreux 6, verset 5. Donc, l'Évangile n'est pas quelque chose qui n'appartient qu'à l'avenir. C'est quelque chose de présent et de personnel. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tandis que nous croyons, nous avons la puissance. Et c'est la puissance par laquelle le monde futur doit être préparé pour nous, dans son état originel. Donc, quand nous étudions la promesse de l'héritage, nous sommes simplement en train d'étudier la puissance de l'Évangile pour notre salut dans le présent monde méchant. Sous-titre. Qui sont les héritiers? Ouvrez les guillemets. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Fermez les guillemets. Galates 3, verset 29. De quoi sommes-nous donc héritiers quand nous sommes d'Abraham? Évidemment, de la promesse faite à Abraham. Mais si nous sommes de Christ, nous sommes héritiers avec lui. Vu que ceux qui ont l'Esprit sont à Christ, selon Romains 8, 9, et ceux qui ont l'Esprit sont héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ,
Ainsi, être co-héritier avec Christ, c'est être héritier d'Abraham. Ouvrez les guillemets. Héritier selon la promesse. Fermez les guillemets. Quelle promesse? La promesse faite à Abraham, bien sûr. Quelle fut cette promesse? Lisons la réponse dans Romains 4 au verset 13. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Fermez les guillemets. Donc, ceux qui sont à Christ sont héritiers du monde. Nous avons pu déjà le vérifier à partir de beaucoup de textes, mais maintenant, voyons-le en relation avec la promesse faite à Abraham. Nous avons vu aussi que l'héritage doit être accordé à la venue du Seigneur, puisque c'est lors de son retour qu'il dira au juste, ouvrez les guillemets, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Fermez les guillemets. Matthieu 25, verset 34. Le monde fut créé pour être l'habitation de l'homme, et il lui avait été donné. Mais il perdit cette possession. Il est vrai que l'homme vit aujourd'hui sur cette terre, mais il ne jouit pas encore de l'héritage que Dieu lui a donné à l'origine. Celui-ci consistait en la possession d'une création parfaite pour des êtres parfaits. Mais aujourd'hui, il ne la possède pas, car, ouvrez les guillemets, une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Fermez les guillemets. Ecclésiaste 1, verset 4. Tandis que la terre demeure, ouvrez les guillemets, nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Fermez les guillemets. 1 Chronique 29, verset 15. Personne ne possède rien de ce monde. Les hommes luttent et s'affairent pour amasser des richesses. Et alors, ouvrez les guillemets, ils laissent à d'autres leurs biens. Fermez les guillemets. Psaume 49, verset 10. Mais Dieu accomplit toutes ses œuvres selon le conseil de sa volonté. Pas un seul de ses desseins ne se réalise pas. Et donc, aussitôt que l'homme pécha et perdit son héritage, la restauration fut promise par Christ, par ses paroles. Ouvrez les guillemets. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Fermez les guillemets. Genèse 3, verset 15. Par ces paroles, la destruction de Satan et de toute son œuvre est prédite. Un, ouvrez les guillemets, si grand salut, fermez les guillemets, fut, ouvrez les guillemets, annoncé d'abord par le Seigneur. Fermez les guillemets. Hébreux 2, verset 3. De cette manière, ouvrez les guillemets, l'ancienne domination, fermez les guillemets, Michée 4, 8, ouvrez les guillemets, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, fermez les guillemets, Daniel 7, verset 27. Ce sera une possession réelle puisqu'elle sera éternelle. Sous-titre, la promesse de sa venue. Tout ce qui précède sera réalité quand le Seigneur viendra dans sa gloire. Lui, ouvrez les guillemets, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Fermez les guillemets. Acte 3, verset 21. Donc, la venue du Seigneur pour la restauration de toutes choses,
a été la grande espérance donnée à l'Église depuis la chute même de l'homme. Les fidèles ont toujours attendu cet événement, et bien que le temps semble se prolonger, et la majorité du peuple douter de la promesse, elle est aussi sûre que la parole du Seigneur. La partie suivante des Écritures décrit avec réalité la promesse et la certitude de son accomplissement et les doutes des incrédules. Ouvrez les guillemets. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et hâtant l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Fermez les guillemets. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Maintenant, lisons à nouveau le passage et observons les points suivants. Ceux qui se moquent de la promesse du retour du Seigneur le font en ignorant volontairement certains des événements les plus importants et les plus clairs exposés dans la Bible, comme le sont la création et le déluge. La parole du Seigneur au commencement créa les cieux et la terre. Ouvrez les guillemets. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Fermez les guillemets. Psaume 33, verset 6. Par cette même parole, la terre fut recouverte par l'eau, car l'eau que la terre emmagasinait contribua à sa destruction. Elle fut détruite par l'eau. La terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ressemble peu à ce qu'elle était avant le déluge. La parole qui créa et détruisit la terre est la même qui la soutient aujourd'hui, jusqu'à la destruction des hommes impies, quand elle deviendra un lac de feu
au lieu d'un lac d'eau. Ouvrez les guillemets. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Fermez les guillemets. La même parole est celle qui accomplit tout. Sous-titre, le point culminant. Il est donc évident que la venue du Seigneur est le grand événement que toutes les choses ont signalé depuis la chute même. Ouvrez les guillemets. La promesse de sa venue. Fermez les guillemets. Est la même que celle d'une terre et d'un ciel nouveau. Telle fut la promesse faite au Père. Ceux qui se moquent d'elle ne peuvent nier que la Bible contient sa promesse. Mais, vu qu'apparemment aucun changement n'est survenu depuis que les pères dorment, ils pensent qu'il n'y a aucune probabilité qu'elle s'accomplisse. Ils ignorent le fait que les choses ont beaucoup changé depuis le commencement de la création, et ils ont oublié que la parole du Seigneur demeure toujours. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Fermez les guillemets. Observez que c'est au singulier. Il ne parle pas de promesses au pluriel, mais de promesses sans S à la fin. Il est un fait que Dieu n'oublie aucune de ses promesses, mais l'apôtre Pierre se réfère ici à une promesse précise, qui est la venue du Seigneur et la restauration de la terre. Il s'agit réellement d'une nouvelle terre, entre guillemets, car elle sera restaurée dans la condition où elle se trouvait quand elle fut créée au commencement. Bien que beaucoup de temps se soit écoulé à vue humaine, depuis que la promesse fut faite, ouvrez les guillemets, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, fermez les guillemets, car le temps lui appartient, 1000 ans sont pour lui comme un jour. Donc il s'est écoulé une semaine tout juste depuis qu'il fit la promesse pour la première fois au moment de la chute. Il ne s'est écoulé qu'une demi-semaine depuis que, ouvrez les guillemets, les pères sont morts, fermez les guillemets. Le passage de quelques milliers d'années ne diminue en rien la promesse de Dieu. Elle est aussi certaine que lorsqu'il la fit la première fois. Dieu ne l'a pas oubliée. La seule raison pour laquelle le temps s'est tant prolongé et parce qu'il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Fermez les guillemets. Donc, ouvrez les guillemets, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Fermez les guillemets. 2 Pierre 3, verset 15. Et qu'elle devrait être l'objet de notre reconnaissance pour la grande faveur qu'il nous fait. Au lieu de considérer son retard miséricordieux comme l'évidence d'un manque de fidélité de sa part. Il ne faut pas oublier que si 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur, un jour est aussi comme 1000 ans pour lui. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement que, quand le Seigneur peut attendre durant un temps prolongé, selon les hommes, avant de mener à bien ses plans, ceci ne devrait jamais être pris comme une évidence qu'à n'importe quel moment du processus, une quantité déterminée de travail va demander nécessairement la même quantité de temps qu'elle prit dans le passé. Et ceci va arriver bientôt, ouvrez les guillemets, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Fermez les guillemets. Romains 9, verset 28. Un jour serait suffisamment pour l'œuvre de 1000 ans. Le jour de la Pentecôte ne fut qu'une démonstration de la puissance,
avec laquelle l'Évangile doit avancer dans l'avenir. Et après avoir résumé ce que représente réellement l'Évangile du royaume, et après avoir fait allusion à la promesse faite au Père comme fondement de notre foi, nous étudierons avec plus d'attention la promesse en commençant par Abraham, de qui nous devons être enfants si nous sommes cohéritiers avec Christ. Que l'auditeur me permette de dire Amen après cette lecture.